La forêt de Benavente au Portugal a été assaillie par les flammes. C'est l'un des 275 foyers d'incendie qui font rage au centre et au nord du pays. Quelques 1300 pompiers sont à pied d'œuvre, mais c'est encore insuffisant. Lisbonne a demandé à ses voisins espagnols et français de lui envoyer 4 avions Canadair. Le feu a fait de nombreux dégâts, se rapprochant des routes, des maisons. Certains résidents sont encore sous le choc. Ils n'arrivent pas à parler. C'était désespérant. Quand on a vu que tout avait brûlé, on s'est renfermé dans la maison et on a cru qu'on allait tous mourir. La situation s'est aggravée mardi après-midi, amenant les autorités à couper certains axes routiers, mais aussi à demander des renforts. D'après le dernier rapport de l'Institut de conservation de la nature et des forêts, près de 31 000 hectares sont déjà partis en fumée au Portugal depuis le début de l'année, soit environ 1% du parc forestier, l'un des plus grands d'Europe.